Salut à tous, c'est GGO et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Batman pour continuer la série Batman Arkham sur Batman Arkham City bien sûr. Donc on aura deux quêtes, deux histoires à faire. Donc celle-ci. Donc on continue l'histoire en restant en mode normal hein. Regardez! Touche pas ça, vieux! C'est trop dangereux ici! Quand est-ce que le patron arrive? Il va venir. Riley dit qu'il a vu Batman. Il est là aussi? À Arkham City. Pourquoi il viendrait ici? Vous feriez mieux de vous détendre un peu. C'est Batman! Qu'est-ce qui se passe? Oh. Désolé de vous décevoir, les gars. Ce n'est rien que... Arkham City sera la dernière chose que tu verras. Ok, ok. Oh, je vais te tuer, sale casse. Bon, on peut terminer. Pas besoin de... Joli costume, Catwoman. Il est au-dessus. Maintenant que leur compte est bon, il est temps de prendre ce que je cherche dans ce coffre. Essaie un peu ça sur moi, mon petit Harvey. Je te le déconseille. Enlève tes sales pattes de là, tu veux. Oh. Debout, Monsieur Wayne. Nous avons beaucoup à nous dire. Strange. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mais j'ai déjà réussi. Ici Vicky Vale, pour un reportage en direct d'Arkham City, la super prison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. Le célèbre playboy millionnaire n'a jamais été du genre... C'est milliardaire, Vicky. Les millionnaires sont complètement dépressés. Rocksteady Studio. Production. Je suppose que vous pensiez que vous étiez intouchable. Eh bien, comme vous pouvez le voir, personne n'est vraiment intouchable. Merci! Merci, Gotham. Mesdames et messieurs, emprisonnés derrière ces murs, des chefs de gang s'affrontent sans merci au milieu de notre ville, qui a perdu de sa superbe. Tous les détenus de l'asile d'Arkham et de la prison de Blackgate ont été transférés dans ce complexe pénitentiaire. Comment garantir la sécurité des habitants de Gotham? Fermez Arkham City maintenant! C'est le chaos total! Mais pourquoi donc? D'ici la fin de la soirée, je serai un héros, tout comme vous, Batman. Aujourd'hui, je lance une campagne pour la fermeture d'Arkham City et pour rétablir la sécurité à Gotham. Attention, quelle est la sécurité? On stagne! Les mains en l'air, Wayne! On tient Wayne! C'est plus sécurisé! Je dois vous remercier. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage. Un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret. Vous êtes à moi, nouveau venu.
Laissez-moi me présenter. Je suis le professeur Hugo Strange. C'est moi qui suis à la tête d'Arkham City. Jusqu'à maintenant, vous avez affiché un profond mépris de la loi, de la société et de vous. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous pensiez qu'on vous entendrait pas? Vous avez été vous avez perdu le droit. Bienvenue à Arkham City, Wayne. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Wayne? On a tué son majordome? Tu vas crever ici. Je vais faire de toi mon toutou, Wayne. J'ai dit à terre. Allez! Qu'est-ce qu'on attend, Wayne? File A. Allez! Ok, ok. File B. Wayne! Vous êtes dans la file A! On se bouge, la resto! Hé, hey, Wayne! Il paraît que le pingouin a mis un prix sur ta tête. Et moi, je compte bien ramasser le blé. Tu bosses pour le pingouin? Vous deux, hors du chemin. Wayne, venez donc par ici. Je déteste le pingouin. Allez, décalez. Casse-lui la tête! Allez! Écrase-lui la tronche! Bruce Wayne. Ah, t'es sur ma liste. Frappe-le encore! Bang! On se bouge, prisonnier! Baissez vos armes. Monsieur Wayne ne posera pas de problème, n'est-ce pas, Monsieur Wayne? Laissez-lui les menottes. On ne voudrait quand même pas faciliter trop les choses, n'est-ce pas? Ferme les portes, préparez-vous pour l'insertion. Je peux pas croire que je m'en réussisse. Bruce Wayne, super. J'étais en reportage à votre conférence de presse, et maintenant on est là tous les deux. C'est ce qui arrive quand on s'intéresse à la politique, n'est-ce pas? Écoutez-moi attentivement. Quand la porte s'ouvrira, ne paniquez pas. Restez près de moi. Vous croyez que je vais suivre les conseils d'un type qui ne s'est jamais battu de sa vie? Restez calme. Ils essaient de nous faire peur. Désolé, vieux. Chacun pour soi. Debout, Ryder. J'ai dit debout. Eh ben, regardez un peu qui est là. Regardez l'enfer, mon Dieu. Faites vos rêves. J'ai cru que j'étais mort. Debout, debout, Wayne. Oh, on a un petit coup de mou. Tu veux que j'appelle ton majordome? Cobblepot. Oh, tu te souviens de moi? Oh, c'est touchant. Ta famille a détruit la mienne, Wayne. C'est... Eh bien, on n'a qu'à appeler ça une bonne vieille vengeance. Ah! Échappez-le! Ah! Frappez-le! Je crois qu'il m'a cassé la main! Oh, Christine. C'est échappé! Comment c'est possible? Oh, Christine. Contacter Alfred ici. Je dois d'abord grimper. Ok, je vais pas passer par là. Je grimpe. Peut-être par là. Là-bas. Non. Il y a une échelle. Alfred, vous avez les coordonnées? Presque, monsieur. Il y a plus d'interférences que d'habitude.
Il me faut un largage immédiat sur le toit de l'immeuble d'Ace Chemical. Je suis déjà en chemin. Bien sûr. J'ai regardé votre incarcération au journal télévisé du soir. Vous aviez prévu de vous faire arrêter depuis le début, ou je me trompe? Pas vraiment. Mais ça m'a permis de passer du temps tête à tête avec Hugo Strange. Et comment était-ce? Pas terrible. Il sait que Bruce Wayne est Batman. Il m'a aussi dit qu'un certain protocole 10 allait le rendre célèbre. Je ne peux pas quitter Arkham City sans savoir ce que c'est. Méchants et les enfermer pour éviter qu'ils aillent dans Arkham. Que la Gotham... Est-il arrivé, monsieur? Je veux dire. Bill. Alfred, j'ai pris une clé de cryptage à un garde Tiger. Je vais pirater leur communication. Ok. Ok, du coup, je dois aller là-haut. À toutes les unités, ici Air Tiger 4. On a confirmation que la détenue 4011 est au tribunal. Je répète, Catwoman est au tribunal. Est-ce qu'elle est en danger? Affirmatif. La cible est retenue par Dent. On pense qu'il a l'intention de la tuer. Comment doit-on procéder? Arrêtez. Que Double Face puisse s'amuser. C'est compris. Ça ne me dit rien qui vaille. Vous n'avez pas tort. La prédilection de Monsieur Dent pour tout ce qui est binaire n'est pas de bon augure pour Miss Kyle. S'il y a quelqu'un à Arkham City qui sait ce qui se passe vraiment, c'est bien elle. Il faut que je retrouve Catwoman. Ah ok, j'ai un indicateur. Ferme que ça pour espérer rejoindre la bande de Double Face. Vous êtes en retard. Le show a déjà... Ok, là on retrouve vraiment sur un Batman Arkham Origins. Rejoignez le camp de Double Face et intégrez le camp le plus grand et le plus dangereux de tout Arkham City. Ok, vraiment, problème. Regardons. Regarde s'il y a d'autres choses à découvrir. On va essayer de faire d'abord.
Regardez, vous avez pas fait gaffe, mais double face. La face intacte et la face détruite. Et ça, c'est vraiment... C'est un beaucoup. Qu'est-ce que t'as été fermé? Le seul moyen de s'en sortir ici, c'est de réussir à se faire respecter. La peur, c'est ce qui suscite le respect. Montre-leur comment ça marche chez nous. Mais il faut qu'on soit juste. C'est une cour de justice, ne l'oublions pas. Justice, tu l'as, et ils nous craindront tous. Faites donc entrer l'accusé. Toi, on peut dire que tu sais t'y prendre avec les femmes, Harvey. Hé, t'aurais pas fait un peu de chirurgie? Ça, c'est pour nous avoir volés. Personne ne voulait. Oh... Je suis désolée, j'ai été un vilain chaton. Libère-moi, et je te revaudrai ça. Voyons voir si cette pièce pense ce que tu dis vrai. Le procès commence. Il suffit d'éliminer le type qui a l'arme. Sans lui, le reste de la pièce ne sera plus un problème. C'est un plaisir de voir de nouvelles têtes parmi vous. De nouvelles têtes pour le gang. Aujourd'hui, nous allons proposer à chacun d'entre vous une toute nouvelle opportunité. Deux opportunités. Rejoignez-nous pour créer une nouvelle force à Arkham City. Et prendre le contrôle de ce lieu. Quand le clown mourra, la ville nous appartiendra. Nous dirigerons Arkham City. Ok. Ah, vous pouvez aussi partir maintenant. Et nous vous traquerons sans relâche pour tous vous tuer. Mais arrêtons de parler des choses qui fâchent. On stoppe qui? Amusons-nous un peu. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il parle de qui? Notre ami Batman est arrivé! Chopez-le et coupez-le en deux! Tu n'es pas le bienvenu dans ma cour! Ta mère ne reconnaîtra pas le chemin! Bon sang! Tu vas mourir ici! Oh là là! Oh, il va t'échapper! Chopez-le! Objection! Non. Rejeté. Pile ou face, joli minou. Quelle face je dois choisir pour rester en vie? Pas celle-là. Tu vas crever. Moi, je demande un sursis à l'exécution. Pas de flingue, Harvey? Dommage. Ça va te faire très mal. Deux flingues, quatre! Moi qui croyais que les chats étaient les seuls à avoir 9 vies. Ça balance, Harvey? Viens voir maman. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais plein de surprises? Je me suis dit que tu aurais besoin de mon aide, Selina. Tu as raison. Je crois bien que je me suis cassé une griffe là-bas. Très drôle. Que veux-tu savoir, monsieur le détective? Le protocole 10. Qu'en sais-tu, Selina? Absolument rien. C'est pas ce que je voulais entendre. Et pour Hugo Strange? Je ne lui fais pas confiance. Il disparaît des années, et d'un seul coup, il réapparaît à la tête d'Arkham City. On raconte qu'il bosse avec le Joker, et qu'il prépare un petit cadeau très spécial, rien que pour toi. C'est peut-être ça, le protocole 10. Ah, de dire, cher patron, tu
enfin tué ton gentil bateau. Cet ex-procureur ici présent a dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? À très bientôt, Batman. Cet endroit est très dangereux. J'adore ça. Tu attendais un baiser? C'était le Joker. Tu es en danger ici. Comme tout le monde. J'ai 9 vies, tu sais bien. Je dois localiser l'endroit par où la balle est entrée dans le tribunal, ainsi que son impact. L'impact. La balle a touché le sol ici. Bon, par où est-elle entrée? Pas par cette fenêtre, là. L'entrée de la balle. Mince. La trajectoire empruntée par la balle me mènera au tireur. Il y aura plus de matériel. Regardez. Ici on a le bâton télécommandé. Regardez. Si on retire, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'on en aura 7. Si on te coince pas. Ok, on aura les up. Donc la sortie est par là-bas. Ok, on a tout ça comme nouveau perso. On a Bruce Wayne, Batman, Alfred. Qui est pas si vieux que ça en vrai. Le pingouin, on a Double Face, Vicky Vale. Ok, on a Black Mask, mais je sais pas où on l'a vu. On a Jack Ryder. Ok. Amélioration. Ok, on doit retirer ma souris. Bon. Donc, tenue de Batman. Batarang, Batgriff. C'est quoi? Il y aura beaucoup de. C'est un gros jeu. Coup critique. Alors tout ça c'est ce que j'ai déjà. Prédateur. Là il m'en manque une seule. Là j'ai tout ça à voir. C'est pour Catwoman. Donc on va pouvoir jouer Batman et Catwoman. Au niveau de la tenue. Ok, c'est l'amélioration des PV, ça on connaît. Et là je pense c'est vraiment c'est. Ça c'est pour la discrétion. On a les éliminations silencieuses qui est en combat toute base qu'on avait dans Asylum. Donc ça suit vraiment dans Asylum. Le protocole 10 prendra effet dans 10 heures. En gros, ils nous ont pensé. C'est clair, quand je pense qu'on est encore dehors en pleine nuit. Bon, je suis déjà excusé, je me suis perdu. Espérons qu'on n'en meure pas. Il faut juste faire gaffe. On bouge quand ils se battent. Ils seront beaucoup trop occupés à s'entretuer pour nous chercher. Tu comprends vraiment pas pourquoi ils sont prêts à se battre pour cet endroit pourri. Double Face finira avec un bout de cette rue. Et après, il sera toujours passé là. Ok, est-ce qu'on a une accélération x2? Ils auraient dû rentrer il y a des heures. Par rapport à Batman Arkham Origins, on a des accélérations. Je le répète sans arrêt. Revenez ici avant qu'il fasse d'aller plus vite. Il est toujours là-dedans? Ouais, je crois. J'entends quelqu'un là-dedans. Garde cette porte fermée, mec. Je veux pas me retrouver face à Batman. T'avais pas dit que c'était Batman? C'est qui ça? Pourquoi on est encore là? On devrait plutôt se tirer, non? Tu crois? Sois pas débile. Tant que tu gardes cette porte fermée, il peut pas sortir et... Je t'ai bien observé, Batman, pour voir si tu étais prêt. C'est quoi ça? T'avais pas songé à en parler plus tôt? Personne ne doit sortir du tribunal. Attends.
Ok, le mystère du personnage qui m'épie. Tâche de récupérer chaque apparition de la silhouette mystérieuse et analyser les preuves qu'elle abandonne. Ok. Et on a gagné une amélioration. Du coup, on va améliorer quoi? Gadget, y'a rien amélioré. Ici, c'est des combos. Chauve-souris, on sait très bien que c'est nul. Coup critique, on peut le faire plus tard. Prédateur, y'a rien. Mais on joue pas encore qu'à toi, Matt. Du coup, je pense on va améliorer l'arme. Ok, de 25. Qu'est-ce qu'il faut ici? Il est pas avec. Attendez, j'ai cru voir aussi un truc. Ok, donc en gros, là je l'améliorerai en x1. On peut améliorer l'armure en x4. On peut l'améliorer x4 fois. Non, c'est... Il est sorti de nulle part. Il a descendu tout le monde au trim. Et je viens de regarder s'il y a une amélioration, genre dans les gadgets. Si je sélectionne le gadget en fait. Non, il y a une bonne griffe. Non. Final. Au moins Catwoman a été tuée. Il l'a sauvé aussi, oh. Et il a maté le patron. Caméra. On fait quoi? Batman et Catwoman sont libres. Double face et HS et nous, on est coincés dans le froid. Ouais, tu te demandes jamais si tu t'es pas planté de camp. Tout ce que voulait Batman, c'était sauver Catwoman. Il a laissé le patron au tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Ouais, les gars du Joker sont entrés dans l'église. Le Joker était dans l'église? Non, il y avait que Queen et un groupe de mecs. Harley Quinn, tu as froid? Bien sûr que j'ai froid. On se dégèle ici. Tout ça parce que cette carte Starley nous a laissé dehors. Cinglé. Je parie qu'elle est bien au chaud. C'est un rajout. Oh. Ok, pardon. Ok, et les PV, on les perd très facilement. Je suis à l'église. On dirait bien qu'Harley Quinn est à l'intérieur. Cette horrible femme est sans aucun doute en train de vous tendre un piège. Ne vous inquiétez pas, Alfred. Quinn n'a jamais été une lumière. Tout ira bien. Wesh, c'est méchant, toi. Pourquoi il n'a jamais été une lumière? Tout ça parce que c'est une fille. Voilà, Batman! Ah, merde. Ouais. Laisse partir la demoiselle, Batman. Ou on leur colle tous une balle dans la tête. Je crois que t'as intérêt à faire ce qu'il te dit. Ce serait du gâchis si ma superbe nouvelle tenue était couverte de sang. Qu'est-ce que t'en penses, Batman? Elle te plaît? Qu'est-ce que je raconte, voyons, évidemment, à qui elle ne plairait pas? Bien sûr, elle... Enfin bref, je t'explique. Monsieur J ne peut pas recevoir de visite pour l'instant. Il ne se sent pas vraiment lui-même. Enfin, bon, c'était déjà le cas, mais... c'est pas ce que je voulais dire. Il a une petite baisse de forme et l'imbécile de médecin que j'ai envoyé n'a pas pu l'aider. Je crois que même ces crétins en ont plus dans la cervelle. Je dois y aller, les mecs. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le. Ah ouais, on va te décaler en gros. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ne bouge surtout pas, Batman. Reste où tu... Ils ne savent pas où je suis. Bien, tâchons que ça reste comme ça. Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Quatre voyous, tous armés et deux otages. Ça devrait être facile. Il faut qu'on sorte de là. Il va nous buter. Ce crétin se croit en sécurité dans le confessionnal. Batman, tu m'entends? C'est encore plus facile pour si moi de l'avoir par derrière. Que ce soit, ces gens mourront tous. Il me lâchera pas. Oh non, je vais crever ici. Je suis là pour vous aider. Pourquoi faites-vous ça? Ça va. Ne dites rien. Oh, c'était violent. Il a un otage. Je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est. Je vois pas.
Ils peuvent venir de partout. Reste calme. Batman, tu m'entends? Fous le camp d'ici. Tire-toi si tu veux pas que cette scène garde. Ouais, lâche-moi un peu. Ça va aller. Attendez ici et ne faites pas de bruit. Si j'arrive à passer derrière ces deux-là sans être repéré, je pourrais les éliminer en un coup. Il est toujours là? Réponds-moi! Ça fait une gueule. Batman va s'occuper de vous. J'ai hâte de voir ça. Si tu la fermes pas, je te tuerai moi-même. La pièce est sécurisée. Tout va bien se passer. Carrément, il fait une grimace là par terre. Dieu merci. Hé, hey, Batman! Ici. Merci du coup de main! Bon. Ok. On doit parler à quelqu'un. Merci. Parle au médecin. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à venir ici pour faire ça? Pourquoi nous tuer? La seule priorité de Quinn, c'est de protéger le Joker. Elle est dangereuse. C'est ce que je vois. Eh bien, merci, Batman. C'est drôle. Je pensais que les gens seraient contents de nous avoir ici. Je crois que j'avais tort. Je sais pas trop si vous avez remarqué, mais Batman a sauvé notre peau. Si quelqu'un peut la trouver, c'est bien lui. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Je crois. Elle a reçu un bon coup sur la tête quand Harley Quinn est entrée. On devrait former un escadron et répliquer. Ils sont beaucoup trop nombreux. Restez ici avec les blessés. Essayez de pas bouger, ça va aller. On est seulement là pour aider ces gens. Harley Quinn s'est pointée avec quelques prisonniers. Elle vous a assommé. Je me souviens de rien. On aura accès à des générateurs. Ok. Le coup de feu est parti du clocher. Il faut que je grimpe jusque là. Ok, je dois grimper. C'est le pont tout à l'heure qui était en orange, donc je grimpe. C'est quoi? Ok, il y a des pompes. Voilà l'arme. J'ai l'impression qu'elle est contrôlée à distance par le Joker. Oh, le Joker. Regardez qui voilà. Il a changé. Je ne t'ai pas vu depuis quand déjà? Voyons, je me souviens d'un asile de monstres et... Ah oui! Que tu m'as laissé pour mort. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tant pis. Tu dois te concentrer sur les bombes. Dépêche un peu, l'heure tourne. De quoi? Alfred, j'ai une piste pour le signal utilisé pour contrôler à distance le fusil de sniper. C'est un coup du Joker. Avions-nous encore des doutes? Le signal radio devrait me mener directement à lui. Bonne chance. Et c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 2.